193 km/h hier. Dans quelle ville? Mais comment ils font pour mesurer Parce qu'ils peuvent prendre une rafale, par exemple, à un certain endroit, ils peuvent en rater plein d'autres à côté. Non. C'est très amusant ce que dit Titov, c'est parce qu'il imagine que des morceaux de vent puissent aller plus vite que d'autres morceaux de vent. Exactement. Bah, non, oui. C'est un ensemble. Parce que ce qui est devant, du vent, va plus vite que ce qui est derrière. Ah. Ben ouais. Puis au bout d'un moment, quand c'est la pause déjeuner, ils arrêtent. Pendant ce temps, ils ne mesurent pas le vent. Et puis il peut y avoir une tornade, il peut y avoir une ça va, bourrasque. Toi, sinon, en ce moment alors, ouais. Tourmenté, ce garçon. Mais oui, oui. Ça compte des mecs comme ça qu'on n'est pas augmenté. Et ouais, c'est ça. Ouais. Nous ne sommes pas des GPS. Comment ça, nous ne sommes pas des GPS? On ne sait pas tout. Tu te vois de répondre ça à l'examen d'histoire et géo? C'est vrai. Au bac? Ça serait léger. Ouais. Professeur de géographie, quelle est la direction de Quimper? Je ne suis pas en GPS. T'es viré? L'Orient. Bien, mais... L'Orient. Oui, l'Orient. Non. L'Orient, vous savez qu'à l'Orient, les gens parlent comme ça? Non, c'est une plus petite ville. Il y a des très bons restaurants chinois, l'Orient. On la connaît grâce à une chanson, cette ville. Ah, une chanson de Nolwenn. Il pleut sur Brest. Ah, il pleut, mais non, c'est pas Brest. Non, c'est une chanson de Nolwenn. Le clair de lune à Maubeuge. Le clair de lune à Maubeuge. Maubeuge, c'est dans le nord. Laisse les gondoles à Venise. Mais... Capri, c'est fini. Ouessant, non, mais c'est tout près de Ouessant. Ah, bah alors ça va, c'est bon. On brûle. Oh là là. Bon, on a la région. De toute façon, il n'y est plus le vent. Qu'est-ce que vous voulez faire de savoir la ville? Vous voulez pas en plus le nom de la rue? Et puis je ne veux pas insister, mais en plus, bon voilà, ils n'ont pas mesuré. À Ouessant, c'était 191 km/h. Alors on ne va pas chipoter pour 2 km/h. Il y a des radars de partout. Hein. 300 euros, effectivement, pour Samir Azib. Il est content, il habite Massy, il touchera un chèque RTL. Lui, monsieur Bénichou. Ça doit être vexant de demander une augmentation et de se l'avoir refusé. Hein. C'est pour ça qu'il ne faut jamais rien demander. Parce que regarde, il était quand même là. Tu vois, quelle humiliation. Non, ah mais tu... Ne hey, jamais rien demander. Quand c'est en début de carrière, comme ça, c'est pas grave. Tu peux trop faire. Oh, ça fuse. C'était... Et bon anniversaire, hein, au fait. C'était Camaré, la ville. Mais c'est très difficile, quoi. Comment ça, c'était très difficile? C'est pas une ville très connue. Il n'y a qu'une chanson, que je vais vous interpréter. Le curé de Camaré, a les couilles qui pendent. Eh ben, il n'y a pas que lui.